Marie-Madeleine? Où est-ce qu'elle est partie encore celle-là? À mon avis, elle a dû partir en balade. Elle me fait encore la gueule. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle île, sur notre nouvelle île. Et ouais, parce qu'on a déménagé avec Marie-Madeleine. On avait besoin un petit peu de voir de nouveaux paysages, un nouveau vent de fraîcheur, ça fait toujours du bien. Et la dernière fois, comme vous le savez, j'avais eu quelques galères, notamment pour construire le récupérateur d'eau de compète. Et personne ne m'a donné la bonne réponse dans les commentaires. C'était ni la broche qui gênait, ni ma toile de tente à côté qui gênait, ni l'un ni l'autre. Bref, je sais toujours pas ce qui gênait. Mais il y a quelque chose qui allait pas, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai lu tous vos commentaires, donc vraiment merci, ça fait très plaisir. Et on est plutôt pas mal ici, regardez, je vais vous faire un petit peu l'inventaire. J'ai avancé un tout petit peu, j'ai trouvé un petit bateau vite fait. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé avec Marie-Madeleine. Alors on a trouvé ça, voilà. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais on l'a trouvé. Ça c'est mon petit bout de crabe, toujours mon petit feu de camp et tout. J'ai trouvé de la nourriture, voilà. Je vais le garder de côté. J'ai trouvé des flingues, ça peut servir, des flare guns. Et puis c'est tout quoi, 2-3 bouts de planche et... Et voilà quoi, 2-3 bouts de tôle aussi il me semble. Voilà ici. Et puis c'est tout, au final pas plus de choses que la dernière fois. Donc, aujourd'hui, on va partir. Bah on va partir à l'aventure mon vieux. Je sais même plus d'où on vient, je crois bien que c'est l'île en face. Donc on va peut-être aller là-bas aujourd'hui. Voilà voilà, on va aller voir. Écoutez, pour le moment, moi, je vais laisser tout ça ici. Voilà, on va tout laisser comme ça. Il est quelle heure? Ouah, 17h15. Si on se dépêche, on arrivera avant la nuit. Est-ce qu'on a soif? Oui, on a soif. On n'a rien à boire, ça tombe bien. Allez, let's go. On va tout de suite rejoindre le radeau. Et on est parti à l'aventure. Il est où mon radeau? Il est là mon radeau, yes. Je crois bien qu'en fait c'est de là-bas qu'on vient. Je suis pas sûr. Allez, vas-y, let's go. J'espère qu'on va pas perdre notre île. Parce que là, je vous le dis, on est parti mais... Je sais pas où, je sais même pas si on va revenir un jour. Bon, Marie-Madeleine, elle fait encore la gueule. Elle a dû partir faire un petit vol pas loin. On va la retrouver juste après, vous inquiétez pas. Elle n'est jamais bien loin, de toute façon. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Elle fait la gueule et puis au bout d'un moment, elle revient, donc... Ouh, attendez. Ça, par contre... Donc, mon île, elle est là. Ça, par contre, j'avais pas vu, vous voyez. Il y a deux petits trucs, là, qui dépassent de la mer. Ça, à mon avis, c'est des épaves à fouiller. Ouais, ouais, ouais. Donc, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'île là-bas. On va tenter de se prendre un petit point de repère. On va aller vraiment tout droit. Vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et l'inconnu. C'est surtout ça en fait. Voilà, là ça va commencer à faire bien nuit. Donc j'aurai juste à me retourner. Ce sera mon île qui est ici. Elle est vraiment pas très grande. Là les gens, je vous le dis, c'est l'aventure totale. Parce que là on part, on est carrément de nuit. J'ai carrément peur de plus retrouver mon île. Mais ça va le faire. Eh, regardez, je peux nager en marche arrière au pire. Enfin ramer, je veux dire, en marche arrière. Bon les gens, on est arrivé, c'est impeccable. Si je peux me permettre, la route était très longue, la mer était très capricieuse. Oula, c'est quoi ça? Oh putain, c'est des chauves-souris. Attendez, on va se garer sur la plage, tranquille. Tout ce que j'espère, c'est pas perdre mon île principale qui normalement se trouve juste derrière nous. Je pense pas que ce soit là-bas, ça doit être plus là-bas. Voilà, on va essayer de pas perdre le cap, c'est-à-dire... Voilà, ce sera en face de ce palmier, juste là-bas. Ok, parfait. On va visiter un petit peu cette île, parce que je rappelle qu'on est parti les mains vides, complètement. Bah, justement, pour ramener 2-3 trucs, ce serait pas mal. Alors, surtout, ce qu'il nous faudrait... C'est quoi, ça? Ouais, il y a un serpent, mon vieux. Ouais, il y a un serpent. Surtout, ce qu'il nous faudrait, c'est de la fibre. Voilà. On va tenter de couper ça, tranquillement, du yucca. Dégage! Suppos de Satan, ouais. Il doit pas être loin. Je l'entends avec ses sonnettes, là. Putain, mon dieu, il est pas loin. Attendez. Il est vraiment pas loin, il est vraiment pas loin. On va ramasser. Voilà, donne-moi ça. Oh, il est où? Oh, putain, il est là. Ouais, il est là. Regardez. Il est juste là, quoi. Vas-y, on va le laisser tranquille. Donne-moi mes trucs. Regardez, regardez. Oh putain, le bâtard! Putain, il m'a mordu. Attends, vas-y, je vais prendre ça. Vous voyez qu'il faut faire gaffe parce que peut y avoir beaucoup de dangers sur les îles. Les îles sont très hostiles dans Stranded Deep. Notamment, peut y avoir des gros vers de terre comme ça, mon vieux. Et je peux te dire que ça te saute dessus. T'y remets pas les pieds deux fois. C'est quoi ce bruit là? Ah d'accord, c'est les chauves-souris. Ok, on va se blinder les gens en fibre et on va revenir sur le trill. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a carrément... Il y a carrément des épaves à fouiller ici. Eh, vous savez quoi? Je pense qu'on va poser un camp ici. On va poser un camp pour la nuit. De toute façon, je sais que notre île, elle est là-bas.
Donc ça, on va pas la perdre de vue, notre île principale. Mais je pense qu'on va se faire un petit camp pour la nuit. Structure, shelter, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la corde. Ok, d'accord, pas de problème. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la corde? Ouais, on va faire masse de corde. Voilà, voilà, ça va être impeccable. Couteau, crac. Allez, vas-y, c'est parti, let's go. Oh putain, regardez, il y a le serpent là-bas. Il a bougé, hein, je l'ai vu. Oh putain, et puis comme par hasard, la feuille, elle a atterri à côté de lui, quoi. Et puis c'est ça que j'ai besoin. Il fait un de ces bruits, le machin, il me stresse, là. Allez, encore deux, trois petits coups, c'est bon. Vas-y, crac. Putain, il est là, regardez. Regardez-le, quoi. Attends, je vais prendre ça. Je vais prendre la noix de coco. Vas-y, on se barre. On se barre de là. Je vais prendre les deux, trois petits trucs qui traînent. Tranquille. Voilà. Là, les gens, on va se faire un camp, là. Je vous dis, là, c'est parti pour la grande aventure, là. Attends. Voilà, peut-être avant. Quoique. De toute façon, je compte pas rester ici, hein, donc je vais dire au pire. Attends, je vais aller foutre ça à côté de mon radeau. Où est-ce qu'il est, mon radeau? Il est là, mon radeau. Ok, d'accord. L'île, normalement, notre île principale. Voilà, le palmier, il est là. La lune, elle était là. Notre île principale, elle est là-bas, exactement. Quelque part par là-bas. Comme ça, je vais mettre le camp juste ici. Tac. Allez, vas-y, on va dormir. C'est parti. Ah, bah voilà. Impeccable. Quelle belle matinée, tiens. Pour faire une petite sauvegarde. Marie-Madeleine, elle est parvenue? Elle fait toujours la gueule. Je vous le dis, elle fait la gueule. Je la connais. Ouh, je la connais depuis le temps. Je la connais, je la connais. Je sais comment qu'elle est. Ouh, toi. Toi, tu dégages, toi. Dégage, toi. Ouais, ouais. On va peut-être faire un petit arc, tranquille. Ouais, yes. Est-ce qu'il y a moyen de faire des flèches? Oui, il y a moyen de faire des flèches. Mais il nous faut des stone tools. Voilà, on va faire ça. Tac. Voilà. Impeccable. Est-ce qu'on peut faire des flèches maintenant? Oui, on peut faire des flèches. Yes. Marie-Madeleine, on va continuer à faire le tour de l'île tranquille. What? J'ai plus de place? Non, j'ai plus de place. Vas-y, je vais jeter ce stick là. J'en ai pas spécialement besoin. Je vais ramasser. Voilà, je préfère ramasser ça. Et on va aller visiter aussi les épaves avant de rentrer chez nous. Voilà, on va aller voir là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des trucs à prendre. Oh, regardez ça. Regardez ça, il y a un coffre. Putain, il y a encore des épaves là-bas et tout. Oh là là, laisse tomber, il y a trop de trucs à voir. Déjà, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va se séparer de 2-3 trucs. Tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait se séparer? Pff, les sticks, on en aura d'autres. Des cailloux, on en aura d'autres. Et on va prendre on va prendre le fuel tank, hein. C'est parti, hein. Regardez, en plus, il y a encore un coffre là-bas. Non, mais laisse tomber, j'en ai déjà trop, là, ça y est. What? Merde. Attends. Attends. Il me faut la bouffe. Il me faut la bouffe. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Pff, ah bah, je vais jeter la coconut, hein. Vas-y, au pire, je veux la manger. Allez, on va se faire une petite coconut tranquillement dès le matin. Ouais, hop là, viens ici, toi. Voilà. Or, pas si loin, ça sert à rien. Yes. Impeccable. Nickel. Et ben, on va la manger. Et ben, on va la manger, c'est parti. Vas-y, donne-moi ça. Yes. Pourquoi? Attends. Voilà, on va faire ça. Ouais, yes. Impeccable. Qu'est-ce qui restait là-dedans à prendre? Il restait la bouffe, il me semble, hein. On va la prendre, tac. Et ouais. Impeccable, nickel. Je pense qu'on va pouvoir retourner sur notre île. C'était surtout de la fibre qu'il me fallait ici. Bon, et bien écoutez, on est franchement pas trop mal. Regardez, là aussi, il y a un autre bateau à fouiller. Est-ce qu'il y a un coffre? Ouais, on va peut-être prendre ça, ça. Ah non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il faut que je reparte avec les hélices. Putain, il n'y a pas assez de place à chaque fois. Il y a quoi là-dedans? Ouais, ça au pire, je pourrais en crafter un, hein, je veux dire... C'est pas spécialement la priorité, on va dire. Bon, gueule, les mouettes! Mais mon vieux, bah saute! Putain, mais qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est lent, des fois? Oh là là, regardez ça. Yes! What? Qu'est-ce qu'il veut pas, là? C'est bon, j'ai. Non? Qu'est-ce que tu veux que je jette? Oh putain, je sais plus quoi jeter, moi, les gens, là. Bon, écoutez, attendez. Si je garde la bouffe à la main. Vas-y. Vas-y, donne-moi ça. Yes, c'est bon. On repart sur notre île, les gens. Allez, let's go. On rentre à la maison. En avant, toutes. Bon, les gens, je vous retrouve quand on est sur l'île. Putain, mon vieux, tout qui se pète la gueule. Et bah, heureusement qu'on se la prend que maintenant, la pluie. Moi, je vous le dis, hein, parce que sinon, on aurait été dans la merde, hein. Si on se la prenait l'autre côté, je crois qu'on n'était pas parti pour rentrer, là. Ou imaginez, en pleine mer, encore pire. On aurait été coincé en plein milieu. Pff, c'était fini, là. On n'avait plus qu'à tout recommencer. Je vous le dis. Enfin, bon, tout va bien qui finit bien. Voyez, finalement.
On s'en sera sorti, indemne. Et puis en plus, on a ramené pas mal de trucs. Oula, attends, par contre, mon radeau, j'ai pas spécialement envie de le paumer. Voilà. Oh là là, regardez ça, là, tout ce qu'on a ramené. Pff, comment qu'on s'est mis bien, là. Laisse tomber. Regardez, on a ça. On a, là, on a de la corde encore. Trois cordes, c'est nickel. On a encore de la bâche. Oui, je trie un petit peu les gens. Ça paraît le bordel, mais je trie. Ça, on garde. L'hélice, on va la mettre avec le jerrycan. Tac. Du cloth, du tissu. Ok. Ça, ici. Yes. Et puis, c'est bon, les gens. C'est parfait. Oh, bah, regardez là. Bah, t'es là, ma vieille. Saloperie, va. Elle s'est renvolée. Et depuis le temps que je la cherchais, je l'ai cherchée partout ce matin. Ah, bah, elle est. Saloperie, va. Putain, ma flèche. Oh, putain, ma flèche. Oh, elle est partie à l'ouest, mon vieux. Laisse tomber. Je vous explique même pas. Elle va revenir, elle va revenir. Elle boude un peu, elle fait la gueule. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ah, regardez, ça se découvre. Après la pluie, le beau temps. Yes. Regardez ça, regardez ça. Hein? Alors, ma vieille, t'étais passée où? Alors? Tu dis rien, tu t'en vas comme ça, toi? Oh, calme, elle était partie. Bah alors, me refais pas des frayeurs pareilles. Reste avec nous. On a besoin de toi. Tu sais bien que t'es essentiel à notre survie ici. Allez, va. Tiens, garde le radeau. C'est toi la capitaine, je te fais confiance. Allez, c'est parti. Donc, là, les gens, priorité, boire. C'est la priorité. Boire, 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 boire. Yes, à boire. D'accord. On a un petit feu de camp ici. On va peut-être l'améliorer avec de la pierre. Est-ce qu'on a de la pierre au moins? Ouais, on a de la pierre. C'est plutôt cool. Vas-y, donne-moi tout ça. Voilà, on améliore ça. C'est nickel. Il nous faut ça en plus. On améliore. Yes. Et le récupérateur d'eau de compète, les gens, c'est pas parce qu'il y avait la broche ou ma toile de tente que ça gênait. C'est pas du tout ça, voilà. Et bah écoutez, on va construire celui-là. Il nous faut... Oh putain, il nous manque juste un rocher. Attendez, feu de camp, il est où? Il est où? Parce qu'on va plus rien voir. Bon les gens, j'arrive pas à allumer le feu. Je crois que le bois il doit être trop mouillé ou je sais pas, mais j'arrive pas du tout à allumer le feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter... Il nous manque juste un rocher. Donc je pense que ça devrait se trouver quelque part dans le coin. Ouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce... Un cochon, mon vieux. Il est en train de tourner en rond sur la plage. Bon, on va le laisser tranquille, ça pourra servir un peu plus tard. Pour l'instant, priorité, trouver un caillou. Les gens, c'est la merde. Il nous manque juste un caillou et je le trouve pas. Vas-y, je vais dormir un petit peu. En espérant que... On va se réveiller, parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai énormément soif, là. Écoutez, les gens, je crois qu'on va pas avoir le choix. On va aller chercher des cailloux sur l'île d'en face. Tranquillement. Je vais tout laisser ici, sauf le couteau, je vais le prendre. Je vais prendre juste le couteau. Voilà, on prend le couteau Marie-Madeleine et on se casse de là. Allez, vas-y! À la baille, ma vieille! Viens ici. Putain, je voyais la perdre, déjà. Allez, hop! On y va! J'avance pas, là. Bah, ça avance pas. Attends, à moins qu'on va trouver un caillou dans le coin là. Si j'arrive à trouver un caillou, on est sauvé. Il y a même pas une noix de coco dans le coin ou quoi? Ouh, toi mon vieux, t'es perdu toi. Ouh, tu vas pas être perdu bien longtemps, t'inquiète pas. Yes, une noix de coco, vas-y. Parce que là, je vous le dis les gens, là c'est la soif. Hein. C'est la soif totale. Oh putain, et ceux-là ils sont hauts. Hein. Ceux-là ils sont très hauts. Non! Bah, comment que ça c'est que je suis tombé? Vas-y, je prends ça. Allez, je descends tranquille. Tranquille, on descend. Oui, je sais que j'ai soif. Là, si je bois pas, ça sent la faim. Oula, barre-toi pas. Reste là, reste là, reste là. Tranquille. Crac. Crac. Et crac. Je crois que c'est bon, là. Et putain, mon vieux, cette pile de noix de coco que je t'ai fait, j'ai même pas fait exprès. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé, quoi. Ah, bah ok. Là, c'est cool. Bon, bah, on a même pas... On va les manger, hein. On va les manger, on n'a pas le choix. Voilà, impeccable. Vas-y, donne-moi tout ça. Yes. On en est où là? Encore un peu. Allez, vas-y. Allez, ça ira. Bah, de toute façon, j'en ai plus. J'ai pas le choix. Bon, les gens, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur l'île d'en face et on va ramener masse de cailloux. On va essayer de ramener masse de cailloux, quoi. Je pars avec rien dans les mains, c'est nickel. Allez, let's go. Et bah, tiens, comme tout à l'heure, comme par hasard, je m'en vais en pleine mer. On arrive presque sur l'autre île, les gens, et là, ça se met à pleuvoir. J'ai l'impression que je suis comme marabouté. Vous voyez ce que je veux dire? Y'a un truc qui va pas.
Il y a un truc qui va passer, obligé. Voilà, on est arrivé impeccable, les gens. Allez, viens ici, ma vieille. Voilà, impeccable. Alors la priorité, ce serait trouver des cailloux. Cailloux, mais on va ramasser tout ce qu'on trouve quand même, hein. Cailloux, branches et tout. C'est surtout des rochers, si je peux trouver. Là, ce serait excellent, quoi. Ça, ça se mine, vous voyez, mais faudrait sûrement que je crafte une pioche, en fait. Ah, bah voilà. Viens ici, toi. Voilà, c'est parfait. J'avais pas oublié des trucs là-dedans, non? J'avais tout pris. Ici, j'avais pris, ouais. Là, par contre, je sais plus si j'avais pris, je crois pas. Hein. Non, ici, il me semble pas que j'avais pris. Il y a rien ici. Ah, peut-être si, peut-être à l'intérieur, attendez. On va aller voir à l'intérieur. Vas-y, vas-y, il doit y avoir un truc là-dedans. Putain, mon vieux, je suis peine à passer. Yes! Oh putain, ça c'est bon, ça. Putain, mon vieux, il y a un requin tout à l'heure qui va arriver et il va nous bouffer. Oh putain, il est à côté. Vas-y, dis-moi que... Dis-moi qu'il y a quelque chose là-dedans. Yes, je prends, je prends, je prends. Vas-y, vas-y. Vas-y. Yes. On remonte, on remonte, on remonte. On remonte, je me casse, je me casse. Je me casse, j'ai tout pris. On a tout pris, les gens. Oh putain, comment qu'on s'est mis bien là. Oh putain, comment qu'on s'est mis bien. Là, on s'est mis bien. Hein? Alors, un petit vol de la victoire pour fêter ça. Oh putain, attends. Pas trop loin, mon vieux. Voilà, pas trop loin, pas trop loin. Tranquille. Eh, hey, vas-y. Hein? T'es bien mieux avec moi, va. Oh là là, comment qu'on s'est mis bien là. On peut pas miner ça avec. Non. Non, je pense pas. Il faut clairement une pioche. Tools, est-ce qu'il y a moyen de se faire une pioche? Yes! Ah! Mais c'est cool ça, j'en ai un à la maison, les heures. Bah, j'en ai qu'un par contre. En plus, on a un cochon à la maison. Donc, je pense que si je le tue, on pourra faire du cuir. Eh, hey, yes! Là, franchement, on s'est bien mis. Là, on s'est mis super bien. Alors, on va faire le tour histoire de prendre les derniers rochers qui restent. Voilà, tac. Yes! Oula, dégage-toi. Attends, est-ce qu'il y a moyen de le niquer, lui, là? Putain, il va me sauter dessus tout à l'heure. Tiens, toi. Tiens, je l'ai eu. Oh, putain, je l'ai eu, mon vieux. Il est rincé. Il y a moyen que... Attends. Putain, il est rincé, mon vieux. Je l'ai eu, mais d'une puissance. Est-ce qu'il y a moyen que je le dépiote, là, pour faire du cuir ou je sais pas? Non? Attends, peut-être avec mon couteau. Yes! Alors, j'ai récupéré quoi? J'ai juste récupéré de la viande, pas de cuir. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'elle a bipé, ma montre? Oh putain, j'ai plus beaucoup de vie là. Hein? Ouais, ouais, ouais. Va falloir qu'on mange, va falloir qu'on mange, les gens. Et bah, ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va rentrer sur l'île, on va décharger tout ça, on va faire le bilan. Ok, on est arrivé, les gens. Yes! Et là, franchement, on va faire le bilan de ce qu'on a ramené sur l'autre île. Hein? Ouh, tu voulais t'envoler, toi? Alors? Hein? Reste avec nous, va. Tiens, je te mets près du feu. Tu vas être bien. Oh là là, franchement, on a ramené trop de trucs. Là, par contre, je commence à avoir super soif. Normalement, maintenant, on peut crafter. Je pense. Yes! Yes, yes, yes. Ça, c'est cool. On va le mettre... On va le mettre à côté du feu de camp. Voilà, juste ici, comme ça. Crac! Yes, c'est impeccable, c'est parfait. Mais voyez ce qu'il nous faudrait là? Là pour le coup, ce qu'il nous faudrait, c'est un seau. Alors là, les gens, on va faire un petit peu le bilan. On va poser ça. Voilà, c'est impeccable. Yes, on a ramené encore des sticks. Ça, c'est cool. Ça sert toujours. Encore des bâches. Et franchement, je commence à en faire la collection des bâches. On en a partout. C'est un truc de fou. Encore de la tôle. De la tôle, je commence à en avoir une petite collection aussi. Mais ça se prend, ça se ramène toujours. Un tronc, on va le mettre avec l'autre tronc. Ouais, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours dans les coups comme ça. Oh yes, ça par contre. Putain, j'ai deux haches, les gens. On a... Non, on a deux haches. Et bah si ça, c'est pas la classe, mon vieux. Et on a une lanterne, et ça, c'est super cool. Hold E to interact. Yes, oh franchement, ça tue, quoi. Ça déchire. On va la mettre debout. Franchement, ça déchire, on s'est mis super bien, là. Alors, ma vieille. Et bah si ça c'est pas une sortie fructueuse, je m'y connais pas. Oh putain, je croyais... Bah elle est partie où? Bah alors reste avec nous, tranquille. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Stranded Deep. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions, des objectifs ou quoi, ça pourrait être cool. N'hésitez pas à me donner aussi des petites astuces parce que je prends en compte tous vos commentaires. Sur ce, on se retrouve bientôt
pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis au revoir. Allez, salut !